Bonjour les amis, c'est moi Hélène de la chaîne Yann le Maria sur YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Alors aujourd'hui et pour une nouvelle vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube, voilà. Donc je vais vous dire quelques idées de vidéos que vous pouvez faire. Voilà, donc enfin on peut dire que comment commencer sa carrière comme YouTuber ou YouTubeuse, voilà. Voilà, donc bon, des fois, même les grands youtubeurs et youtubeurs peuvent être à court d'idées, voilà, n'ont pas d'idées, voilà, donc cette vidéo pourrait vous aider, voilà, donc j'ai fait cette vidéo pour vous aider, voilà, donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire, et maintenant sans plus tarder, on commence, go! Alors, tout d'abord, les amis, je vous conseille de prendre un cahier avec vous pour noter tout ça. Voilà, je vous conseille de noter tout ça. Voilà, un cahier, un stylo. Et maintenant, on commence. Alors, donc moi, je vais vous dire 10 idées de vidéos que vous pouvez faire. Donc, maintenant, la première vidéo. Alors, c'est de faire, par exemple, des vidéos conseils astuces, des tutos, on peut dire, voilà. Par exemple, comme cette vidéo-là, celle-là que je fais, c'est une vidéo, enfin, un tuto, voilà, on peut dire de conseils astuces, voilà, parce que c'est des conseils que je vous donne, c'est pour vous aider, voilà. Par exemple, vous pouvez faire aussi, si vous êtes doué au maquillage, voilà, vous pouvez faire des maquillages, comment faire un maquillage Halloween, pour sortir, pour un mariage, je sais pas. Ou peut-être des coiffures, un truc sur la mode, je sais pas. Il fait un super chaud. Voilà. Deuxième idée, voilà, c'est de faire des vlogs. Vlog, qu'est-ce que ça veut dire vlog? Si vous savez pas, ça veut dire que, par exemple, vous partez au ciné, à la plage, à la piscine, n'importe quel truc, vous filmez, vous prenez votre caméra avec vous et vous filmez. Voilà, la route, quand vous partez au ciné, voilà. Et vous disiez, voilà, que c'était chouette, nanana, etc. Alors, troisième idée, c'est de faire des room tours. Voilà, par exemple, le room tour de votre chambre. De votre chambre, par exemple, moi, si vous suivez mes vidéos précédentes, enfin, pas précédentes, que je vais faire, pardon, oui, je vais faire le room tour de ma chambre. Voilà, donc, ça veut dire le tour de ma chambre. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dans ma chambre, comment est ma chambre, etc. Ou vous pouvez aussi faire le room tour de votre maison. Voilà, vous montrez tout d'abord la résidence ou le quartier où vous habitez. Après, vous montrez soit l'immeuble ou la maison où vous habitez. Puis, vous rentrez dans la maison et vous montrez les chambres, tout ce qu'il y a dans votre maison. Voilà. Alors, maintenant, quatrième idée de vidéo. Vous pouvez faire, par exemple, des trucs. Voilà, vous donner des informations. Voilà, pour aider les gens. Voilà, par exemple, sur le système solaire, par exemple, ou sur... oui, vous pouvez faire ça. Mais pour faire ce genre de vidéo, je vous conseille il faut beaucoup d'effets spéciaux. Voilà, parce que ordinaire comme ça, ça va pas être chouette. Voilà, donc, bref, hein. Voilà, et maintenant, sixième idée de vidéo, c'est par exemple vous montrer votre routine. Voilà, par exemple, le routine pour dimanche, le routine pour samedi, pour tous les jours, pour aujourd'hui, pour sortir par exemple. Donc, moi aussi, je vais faire mon routine pour sortir. Voilà. Et septième idée, c'est presque la même chose que le routine. Voilà, vous prenez par exemple un magazine de mode. Voilà, on va imaginer que ça, c'est un magazine de mode. Je l'ouvre, voilà, je trouve une star qui est habillée, voilà, à la mode. Voilà, j'essaye de m'habiller comme elle, etc. Vous montrer plein de conseils, des trucs comme ça sur la mode. Vous montrer le magazine, etc. Maintenant, huitième idée, c'est par exemple de faire des choses qui sont pas... de parler de choses qui sont pas populaires sur YouTube. Voilà, parce que quand il est déjà populaire sur YouTube, donc vous n'allez pas avoir beaucoup de vues, d'abonnés, etc. Parce qu'il y a des autres YouTubeurs qui l'ont fait déjà. Voilà, par exemple, vous pouvez parler d'applications. Par exemple, je parle pas d'applications, par exemple Facebook, Snapchat, le Instagram, Twitter, etc. Non, voilà, qui sont moins populaires. Voilà, donc par exemple, il y a, est-ce que vous avez vu Snapchat? Voilà, il y a des autres applications qui le ressemblent. Vous pouvez faire le filtre, voilà, sur votre visage, mais il y a des autres effets spéciaux, des autres
des autres trucs, voilà, des trucs de chat. Ouais, vous pouvez parler des trucs de chat, peut-être des jeux si vous voulez. Ouais, mais moi je préfère de parler sur des trucs de chat, voilà, moins que les jeux. Maintenant, la neuvième idée, c'est de montrer par exemple comment faire des bracelets, par exemple, avec des Scooby-Doo. Ouais, je sais pas c'est quoi les Scooby-Doo, ben, je vais vous montrer. Enfin, je sais pas, ils sont mieux. Je sais pas, ils sont mieux du tout. Ah, ben les Scooby-Doo, je sais pas comment vous expliquer parce que. Enfin, c'est des genres de fils en plastique. Donc, je crois que je vais vous les montrer. Attendez. Alors, bon, c'est ça les Scooby-Doo. Regardez, c'est des sortes de longs fils. Voilà, en plastique. Voilà. Donc, c'est tout simplement comme ça. Et maintenant, on va continuer. Allez. Voilà, donc comme je vous ai dit, vous pouvez faire des vidéos, par exemple, comment faire des bracelets avec des Scooby-Doo, des colliers même, voilà, ou de faire des bracelets avec des élastiques comme ça, voilà, les élastiques. Voilà, donc ça c'est pour les filles, mais vous pouvez aussi, voilà, si vous voulez être avoir beaucoup d'abonnés, etc., vous pouvez vous inspirer des séries, voilà, même si vous êtes adulte, vous pouvez faire comment faire les bracelets de Sol Luna, par exemple, si vous connaissez Sol Luna. Voilà, donc je sais pas si vous la connaissez, mais bref. Ou par exemple de Violetta, si vous. Parce que. Ou le vernis, parce que ce que vous avez sous Luna, elle a le vernis. Elle a du vernis. Voilà, donc. Le style, un petit peu le style comme ça, voilà. Comme ça. Ou voilà, la dixième idée et la dernière. Vous pouvez aussi faire. Je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, vous prenez un bol d'eau. Un verre ou un truc, un récipient qui est rempli d'eau. Vous mettez des gouttes de vernis. Après, vous faites un motif avec un cure-dent. Voilà, puis vous trempez votre doigt dedans. Et après, vous allez voir un motif, un joli motif qui sort. Voilà, par exemple, avec des couleurs, etc. Voilà. Alors, chers youtubeurs et youtubeurs, donc c'était toutes mes idées que j'ai pu vous donner. Voilà, tous mes conseils que j'ai pu vous donner. Voilà, et j'ai oublié aussi de vous dire que chaque vidéo que vous voulez faire, n'hésitez pas à la noter dans votre carnet comme je fais moi. Voilà, pour ne pas oublier, voilà, pour être plus ordonné, voilà, etc. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la... liker, enfin de laisser un j'aime, voilà, s'il vous plaît laissez-moi un j'aime, et aussi de vous abonner à ma chaîne, la chaîne Yann et le mariage, je vous en supplie, vous allez voir un rectangle rouge, c'est écrit dessus s'abonner, après quand vous appuyez dessus, vous allez voir une petite cloche, appuyez dessus, voilà, pour que vous voyez toutes mes vidéos avant les autres, voilà, et de laisser un commentaire, vraiment ce que vous voulez, vous écrivez ce que vous voulez, vous avez le choix. Alors moi, cher youtubeurs et youtubeurs, je vous fais des gros bisous les amis et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye. Comme ça. Bye.